Vous voulez voir un dépaysement total? Oh, c'est beau ça, hein? Ah, j'avais besoin de me ressourcer là. Ah, j'ai besoin de me ressourcer là. Ah ouais, là, ça fait du bien. Il y a pleine nature, les oiseaux qui chantent, l'herbe sous les pieds. Ah, ça fait du bien. Vous entendez ce vent? Ah, vous devez l'entendre, hein. Un Kishni, il a des envies d'ailleurs, vous voyez. Kishni, il est sorti de sa ville, là. Il est allé en pleine campagne, dans un pré des vaches. Je sais pas si on va les voir d'ailleurs. Et il marche, il sait pas où, mais il marche. Et il réfléchit. Parce que le Kishni, il est penseur aussi. Le Kishni, il a toujours été penseur. Mais en fait, dernièrement, je me posais quand même pas mal de questions, des petites remises en question comme ça. Et je trouve que c'est bien de se remettre en question. Ça prouve qu'on est grand. Ça prouve qu'on est conscient. Et tu ne deviens grand que lorsque tu deviens conscient. Ben ça, je l'ai appris petit à petit, hein. Je ne vous le sors pas comme ça. Et mais là, ouais, ces derniers temps, ben. Je me posais pas mal de questions, enfin. Il y a des moments, il y a des petites baisses de régime, il y a des moments. Tu te poses pas des questions sur la vie, mais presque. Ouais, attendez, je vais bien, hein, je vous rassure, hein, tout va très bien. Mais ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé en fait. Et je me suis quand même beaucoup posé la question de savoir bah, pourquoi. Tout simplement, pourquoi est-ce que ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé? Surtout que j'aime bien, hein, franchement. C'était les périodes où je me posais des questions, c'était les périodes où je lisais des livres sur le développement personnel, tout ça. Ah, un hélicoptère. Ah bon, on devrait le voir. Je sais pas si on va le voir. Je lui ai dit de venir nous faire un petit coucou, en fait. Voilà, vous voyez? Regardez, c'est pour vous, les abonnés. J'ai fait ça vraiment pour vous, hein. Bon, par contre, je lui ai pas demandé d'accrocher une banderole derrière. Disant du genre abonnez-vous parce que je me suis dit je suis pas un vendu quoi. Et puis c'était cher. J'avais pas assez d'argent d'abonnés pour faire ça. Mais bon, au moins vous avez eu un petit peu ça, c'est déjà pas mal. Vous allez pas vous plaindre. Ah putain, je suis trop con. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez la petite forêt là. Vous entendez l'oiseau là? Avec les petits rayons de soleil entre les arbres. Là, l'ombre sur l'herbe. Les petites collines. Et regardez là, franchement, je vous mets comme ça. On se croirait pas sur l'écran de Windows là? Non mais sérieux, c'est vrai. Et je suis con. Enfin, c'est con parce qu'il y a un chat qui devrait me rejoindre. S'il me suivait tout à l'heure, il ne me suit plus ce con. Bah tant pis, hein, je suis tout seul. Je suis tout seul avec moi-même et avec vous. Ouais, j'étais en train de vous dire que justement, ouais, je me posais pas mal de questions. Et puis, je sais pas, j'avais eu envie de faire cette petite vidéo-là, comme ça. Bon, à vrai dire, je sais même pas ce que ça va donner. À la base, je savais même pas si j'allais mettre ça en ligne. Donc bon, si vous le voyez, c'est que c'est en ligne. Et ouais, je disais que ouais, c'était l'époque où je lisais des trucs sur le développement personnel quand je me posais des questions. Et là, ça doit bien faire... plus d'un an que je lis plus ces genres de trucs ou alors ça m'intéresse toujours autant mais justement je me disais mais comment ça se fait que je prends plus le temps de le faire tout ça et puis c'est en réfléchissant sur moi-même et en parlant un peu que bah, j'ai compris pourquoi à un moment dans la vie enfin surtout au début quand t'es jeune bah tu te poses pas de questions. Tu vis ta vie, mais t'es un peu con, t'es un peu débile parce que tu sais pas trop où tu vas, tu connais un peu rien de la vie et tu fais des choix dans la vie qui sont pas tip top. Tu fais des choix dans la vie qui sont un peu fait à la va-vite, tu sais pas trop pourquoi tu les fais, tu sais pas trop ce que t'as envie, en même temps tu te cherches. Voilà, c'est la période de la vie où tu te cherches. Donc le fait que tu sois con,
C'est pas un mal. Je sais pas si on n'irait pas dans la forêt. On pourrait s'y diriger un peu. Bon, de toute façon, on a le temps. Ben, quoique, j'ai presque plus de batterie et je sais pas si je vais avoir assez de mémoire dans ce téléphone. Bon, allez, on emprunte le chemin de la forêt. Ouais, donc au début, ben, t'es un peu... Ouais, tu te cherches, quoi. Et un jour, et ça varie en fonction des personnes, ça varie parce que certains parfois vont y arriver en étant jeunes, ça peut être 8, 10, 12, 14 ans, et t'en as, et ben jusqu'à leur mort, et ben ils vont rester dans ce trouble-là, ils vont chercher toute leur vie. Mais il y a des personnes, et beaucoup de personnes, heureusement, je vous rassure, qui justement... Attends, on va passer par où là? Bon allez, c'est pas grave, on avance. Qui au bout d'un moment bah, se réveille et deviennent conscients. Ouais, qui chenifouille, t'arrêtes pas de dire conscient, conscient, mais franchement, tu fais chier. Ça veut dire quoi être conscient? Être conscient, ça veut dire prendre connaissance, se rendre compte de ce qu'il y a autour de nous. Et tout ça là. Ouais, bah t'es gentil, Kishnifou, mais je sais ce que c'est un arbre. Hein. Je sais ce que c'est de l'herbe, je sais ce que c'est de la terre, je sais ce que c'est le soleil. Il n'y a pas besoin d'être conscient, comme tu le dis, pour le savoir. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est qu'il y a des moments où tu t'es trouvé, où tu te rends compte de ta place dans ce monde. Où tu te réveilles, quoi. Et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que j'ai un but? J'ai ma main qui bouge. Comment je fais pour la faire bouger? Et qu'est-ce qui m'a donné, qu'est-ce qui m'a permis le fait de pouvoir le faire, de pouvoir incarner ce corps? Et je vis dans un monde où je suis entouré par d'autres personnes comme moi, des humains, mais aussi par d'autres espèces, autant animales que végétales aussi. Et est-ce que ces espèces-là, est-ce que ces cellules, elles ont aussi un but d'être ici? Pourquoi elles sont là? Vous voyez toutes ces questions-là? Bah, au bout d'un moment, on se les pose. Et bien souvent, on arrive devant un mur. Parce que déjà, on ne peut pas vraiment répondre à la question. Mais en plus, on se dit, mais du coup, comme je ne sais pas répondre, au final, je fous quoi ici? À quoi ça sert? Pourquoi je vis? Et ça peut être déprimant. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'avais étudié ça en français. C'était un texte, alors franchement, je ne sais plus de qui c'était. Il y avait une phrase qui m'avait marqué à l'époque. C'était « Le con heureux et l'intelligent malheureux ». Alors, ça veut rien dire et ça veut tout dire en même temps. Parce que, attendez, je suis bloqué par une sorte de ronce. Voilà. Oh, on est méchant, on détruit la nature. Non, il y a... En fait, ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire que le con, c'est la personne, justement, comme je le disais au début, qui ne s'est pas éveillé, qui n'est pas devenu conscient, qui se cherche toujours, mais qui même ne se cherche pas, en fait. Il n'est même pas passé à cette étape de vouloir se chercher. Mais lui, justement, vu qu'il ne se cherche pas, il s'en fout de sa place dans la vie. Donc, en fait, il est heureux. Il fait sa vie et il ne se pose pas de questions. Mais l'intelligent, lui, alors le mot intelligent, j'aime pas, c'est pour ça que j'utilise le mot conscient. Intelligent, c'est pour le domaine scolaire, on s'en fout un peu ça. Le conscient, lui, il va se poser des questions, comme je l'ai dit, et il va se rendre compte qu'il n'a pas la réponse du pourquoi. Pourquoi, c'est une grande question. Pourquoi? Pourquoi, on sait pas. Et justement, le mec, il va être malheureux parce qu'il va se dire « Mais en fait, je suis juste une entité parmi tant d'autres. Et à quoi bon? Qu'est-ce que je fous là? À quoi ça sert ?» Et finalement, il va être malheureux. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui doivent être dans ce cas-là. Peut-être vous qui regardez, vous êtes peut-être dans ce cas-là. Vous vous dites « Mais ouais, enfin, ouais, je suis là, je suis sur cette terre et au final. » De toute façon, tout ce que j'apprends, tout ce que je fais, tout ce que je vis... au final, quand je vais mourir, qu'est-ce qui va rester? À quoi bon? Ça sert à quoi? Et il y en a qui ont des tendances suicidaires à cause de ça. Hein. Et
Et bien souvent, qu'est-ce que conseillent les psychologues dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'ils conseillent? Qu'est-ce qu'on vous rabâche à longueur de journée qu'il faut que vous fassiez pour justement aller mieux? Se trouver un objectif, avoir un but dans la vie. Et en fait, moi je croyais que c'était vraiment l'objectif principal de la vie, de se trouver un but. Puis après j'y réfléchis, je me dis, mais ouais, mais même si tu trouves un but, bon, à quoi bon, ça répondra pas à ma question. Mais en fait, je crois avoir compris que se trouver un but, c'est un substitut pour ne plus se poser les questions. Avoir un but, c'est pour les gens qui sont devenus conscients, qui se posent des questions et qui en souffrent, ou qui tout simplement n'arrivent pas à répondre, et que plutôt que de se poser des questions, bah, essaient de se trouver un sens à leur vie. Parce que mine de rien, c'est dur aussi de se poser ces questions-là. Et donc au bout d'un moment, bah, tu te trouves un sens à ta vie, et du coup, tu entres dans la troisième phase, qui est la phase de sommeil éveillé. C'est-à-dire que tu t'es réveillé, mais du coup, bah, tu te rendors justement pour ne plus penser à ça. Et je vais faire le lien avec ce que je disais au début, à savoir que moi, aujourd'hui, là, je me remets en question. Donc en gros, c'est un peu comme si j'étais repassé en phase 2 et que pendant un bon moment, j'étais passé en phase 3. Mais je sais que je vais repasser en phase 3 bientôt et que je sais que maintenant, je peux le faire quand je veux. La porte de la phase 3, je l'ai déjà ouverte. Donc je sais comment l'ouvrir. Et je sais que je vais y arriver. Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais alors, comment faire? Dès le moment où vous avez trouvé un but, vous avez trouvé quelque chose, moi, je vais vous donner un exemple concret, parce que ça, je sais que ça ne vous parle pas. Mais justement, je vais utiliser mon expérience personnelle justement pour vous dire. Il y a plus d'un an de cela, même moins du coup, je me suis séparé. Et du coup, je me suis un peu recentré sur moi-même. Et à ce moment-là, j'ai commencé la muscu, j'ai commencé pas mal de choses. Et j'ai commencé à avoir un régime particulier. J'ai commencé à avoir un boulot aussi régulier. Et du coup, ma vie a pris un sens, a pris une sorte de routine. Le boulot, la muscu, tout ça. Les vidéos aussi YouTube. Regardez, ça fait aussi un an. En fait, tout s'est enclenché d'un coup. Il y a un an, je faisais une sorte de vidéo coup de gueule et il y en a beaucoup qui m'ont rejoint. Du coup, ça m'a donné envie de continuer, de poursuivre et YouTube a pris une énorme place dans ma vie. Mais du coup, pratiquement en même temps, il y a eu la muscu et qui dit muscu dit aussi régime alimentaire. Et donc, je me suis construit une sorte de vie tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que je me posais la question de me dire mais pourquoi je ne m'y intéresse plus, pourquoi je ne prends plus le temps de lire? Et bien tout simplement parce que j'en avais pas besoin. J'en avais pas besoin parce que j'avais un sens à ma vie. Et là vous allez me dire, mais alors Kishni, ouais c'est bien gentil, mais alors pourquoi tu nous parles de ça maintenant? Pourquoi tu dis que tu te remets en question? Pourquoi tu es passé à la phase 2? Je ne le savais pas, avant d'y réfléchir, il y a tout juste hier, voilà. Et j'ai compris. Coucou, ça va YouTube? Vous ne verrez que mon ombre aujourd'hui. C'est mon ombre qui vous fera le check à la fin avec la main. Ouais, non, alors pourquoi? Parce que j'espère que ça va pas s'éteindre en plein milieu la vidéo. Donc j'ai essayé de faire court. Ça fait déjà 14 minutes que je blablate. J'ai réussi à vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait là, je l'avais dit dans ma dernière vidéo du livre que je lis, mais je suppose que tout le monde ne l'a pas forcément vu et que tout le monde ne verra pas forcément celle-là, mais c'est pas grave. Je suis tombé malade, j'ai eu une extinction de voix et j'ai eu une opération des dents, on m'a fait un implant. Et qui dit opération des dents, dit pas de sport pendant la semaine qui a suivi, histoire que la plaie ne se rouvre pas. Si vous faites le calcul, extinction de voix, qui dit extinction de voix, dit pas de vidéo YouTube. D'où le fait que sur ma chaîne, ça s'était un peu réduit. Qui dit angine, dit perte de goût. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de ce que je bouffais depuis 8 mois. Donc, j'ai arrêté de bouffer ce que je bouffais depuis 8 mois. Et qui dit pas de sport, dit pas de muscu. Du coup, vous vous rendez compte de tout ce que je vous ai dit là? Tout ce qui avait un sens pour moi aujourd'hui a disparu
d'un jour à l'autre. Et je me suis retrouvé où toute mon habitude que j'avais depuis un an, 8 mois, un an, je ne l'avais plus. J'avais plus rien. Mais ça, c'est pas grave. Mais c'est juste que du coup, en n'ayant plus ça, eh ben, je me suis recentré sur moi. Mais je me suis remis à me poser des questions, à me dire, est-ce qu'en fait ça te plaît tout ça? Est-ce que... Mais inconsciemment, hein, pas vraiment consciemment. T'as là, ça grimpe, je vais avoir chaud là. Et en fait, bah, du coup, c'est assez étonnant parce que je me suis rendu compte de pourquoi est-ce que je me remettais à me poser cette question. Je me disais, mais attends, mais Kishni, qu'est-ce qui se passe? T'as plus envie de faire cette vidéo? Ou t'en as marre de la muscu? Ou qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, non, c'est juste qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que ben, ça s'est tout arrêté un peu d'un coup. Et ben, j'avais plus ce cap-là. J'avais plus ces objectifs-là parce qu'il y a eu un petit point d'arrêt pendant un petit moment. Et du coup, ben, ça m'a permis de me recentrer sur moi. Regardez ça, avec le truc qui est tout blanc là, ça c'est beau ça. On va s'arrêter un petit peu là. Ah, ça fait du bien. Ah, moi ça me ressource moi. Et du coup ça tombe à pic là que le soleil revienne, parce que j'ai pu retourner chez mes parents là, et comme ils ont des prés tout autour, ben, je peux me balader. Donc, ça c'est cool. Voilà, bref, c'est comme ça. Mais comme je vous dis, moi je vais pouvoir retourner à la phase 3 parce que je sais très bien que voilà, dans une semaine, même la semaine prochaine, je vais pouvoir reprendre les vidéos normalement, reprendre la muscu normalement. Par contre, il y a juste une chose qui va changer. Ça va être mon alimentation. Parce que je pense que je m'en suis définitivement lassé. J'ai envie d'autre chose. Surtout avec le beau temps qui arrive, j'ai envie de fruits, j'ai envie de trucs comme ça. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Je crois que c'est bien parfois de revenir à la phase 2, parce que du coup, ça te remet en cause ce que tu fais. Ça remet en cause tes buts, ce que tu poursuis dans la vie depuis longtemps. Et ça te permet de changer certaines petites choses. Comme là, par exemple, ma nutrition, je vois que bon, là, c'est plus adapté. Donc, je vais en changer. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, ça permet de se mettre à jour, en quelque sorte. Enfin voilà, et après moi je pense qu'il y a une quatrième phase, c'est la phase de la sagesse, Yoda. C'est le moment où tu as un peu traversé tout ça, où tu es plutôt en fin de vie. Et t'as plus vraiment d'objectif à avoir en fait. Donc t'as plutôt un regard, tu regardes derrière toi, dans le rétroviseur de ta vie, de tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu as fait. Et tu t'attends justement à cesser ta vie dans quelques années, quelques mois, quelques jours. Et finalement, voilà, t'es plutôt en mode sagesse et plutôt en mode transmission de ton savoir. Tu vas justement essayer de parler de tout ça aux jeunes qui sont assez ouverts, qui sont en mode recherche de la deuxième porte. Peut-être ceux qui l'ont déjà ouverte et qui veulent trouver un sens à leur vie. Après, trouver un sens à sa vie, ça c'est autre chose, hein. Ça, je pourrais en faire une vidéo aussi sur comment trouver un sens à votre vie pour éviter de penser à tout ça. Ouais. Commencer à ouvrir des portes à ce niveau-là. Parce que n'empêche, c'est vachement intéressant. Et puis, c'est pas que c'est intéressant, c'est que c'est la vie, c'est tout, c'est comme ça. Après, il y en a qui passent la vie sans se poser ces questions et qui trouvent des sens, qui trouvent des... Oh putain, alors là, il y a des trous. Qui trouvent un sens à leur vie sans... Oh, putain, c'est tout mouillé. Je vais pas aller là, moi. C'est dégueulasse. Ouais, non, moi je vous dis tout ça, mais je sais, hein, il y en a certains qui regardent cette vidéo et qui se disent « Mais qu'est-ce qu'il raconte Moi j'ai jamais eu besoin d'ouvrir des portes, de trouver un sens à ma vie. » Mais non, parce que vous le faites automatiquement, parce que vous le faites tout seul, parce que vous n'avez pas besoin d'y réfléchir, et puis c'est tout. C'est tout, hein, faut pas chercher plus loin. Hein. Vous savez, je suis juste quelqu'un de perché. C'est tout, hein, je suis juste perché. Non... C'est pas que je suis perché, c'est juste que j'analyse ce qui m'entoure et je m'en fais ma propre expérience, ma propre... Comment on avait... Oh, regardez, il y a un lapin. Ah putain, il y avait un lapin. Énorme. Je me fais ma propre interprétation de la vie. Voilà. Bon. En tout cas, voilà, là, j'avais besoin de m'écarter un petit peu de tout ça. Regardez, on est bien là, à l'ombre. Entendez les oiseaux? Je ne sais pas si vous entendez. On va se poser là, en espérant que ça se casse pas. Ah, oh putain.
Je suis un peu trop lourd, ça va péter. Non, ça va? Ça va. C'est bien là de se retrouver seul avec soi-même, loin de la ville. Bon, voilà, en tout cas, simple vidéo comme ça, parce que j'avais envie de parler. Parce que ça fait du bien de parler. Parce que c'est aussi ça sur ma chaîne, hein, vous le savez. Je parle de tout. Et en même temps, moi, ça permet de remettre les idées en place, mais en même temps, ça peut vous aider vous aussi. Peut-être que vous vous y retrouvez dans ce que je dis. Et moi, je partage ce que j'expérimente dans la vie de tous les jours. Et si ça peut servir à des gens, ben que ça serve, autant que ça serve. Je fais un peu justement le mec qui est dans la quatrième phase, qui utilise la phase de sa sagesse pour transmettre le savoir, comme je disais. Mais bon, de toute façon, c'est ça, hein, la vie aussi, hein. Comme on l'avait vu dans l'analyse du film de Lucie, les cellules sont faites pour transmettre le savoir. On n'est pas là que pour exister, hein. On a d'autres générations et c'est autant pour exister, apprendre, que procréer et pérenniser l'espèce, quoi. Putain, j'utilise des mots compliqués, ça. Rien ne va plus. Bon. Je crois qu'on va s'arrêter ici parce que là, je vais plus avoir de... J'ai plus hard de batterie, puis j'ai plus hard de place. Alors du coup, puis c'est déjà bien assez long. J'espère que ce petit voyage dans la nature vous aura plu, ce voyage autant naturel que spirituel vous aura plu. Et puis je sais pas. Là, j'avais envie. Peut-être qu'on refera ça. Je sais pas. Là, je vous avoue, avec le beau temps qui arrive et tout ça, ça donne vraiment envie de faire ce genre de vidéo, de parler, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là. Allez, vous allez me voir quand même. Coucou. J'ai le soleil en plein dans les yeux, c'est horrible. Et puis, écoutez, moi... Attendez, ça n'a rien coupé, non, c'est bon. Parce que des fois, je touche l'écran. Ouais. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous. Portez-vous bien. C'est un peu con, mais en même temps, c'est le but de la vidéo, là. Du coup, ce sera peut-être une vidéo psycho. Et puis, allez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.